Bienvenue chez moi. Alors, comme indiqué la dernière fois, je vais aujourd'hui parler de ce qu'on appelle communément par chez nous la laïcité. Je vais en particulier tenter d'apporter au débat des éléments qui, sauf erreur, ne sont jamais évoqués ailleurs. Donc, tout d'abord, je vais déconstruire à ma manière l'idée de laïcité, l'ausculter. Ensuite, je vous montrerai ce qu'on peut en déduire une fois débarrassé du maximum d'hypocrisie. Donc, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, le processus de sécularisation s'est amorcé en France bien avant la Révolution française. Dans le cadre de l'opposition entre le théologique et le politique, la France a peu à peu, au fil des siècles, changé de métropole, passant de Rome à Paris. La sortie, entre guillemets, de la religion s'est accompagnée d'un basculement identitaire très prononcé dans le concept de nation. La souveraineté nationale a été le catalyseur de la sécularisation. Encore une fois, on a quitté un cadre pour un autre, et qui dit cadre dit contenu. Le contenu qui a identifié la France, c'est avant tout une histoire singulière, mouvementée mais commune, et d'autre part un parrainage spirituel, c'est-à-dire un bâton de pèlerin, en l'occurrence le christianisme, entre parenthèses. Lorsque quelqu'un prétend que la France contemporaine peut être totalement décorrélée du christianisme, autrement dit qu'elle ne lui doit rien, on doit pouvoir envoyer cette personne à ses chères études, d'autant plus quand il s'agit d'un ministre ou d'une institution supranationale, ne boudons pas notre plaisir de remettre à sa place le petit personnel. Donc, la France moderne ou pré-contemporaine s'est constituée autour d'un contenu identitaire, autour de référents communs, référents que 1789 n'a d'ailleurs pas pu renier. On ne construit rien sur du sable, en toute chose, il faut des assises solides. L'évidement s'est produit par la suite, au fur et à mesure que l'individu ayant droit a pesé plus dans la balance que la communauté. Du point de vue de la laïcité, ça y est, nous y arrivons, le XXe siècle a œuvré dans ce sens, de sorte que la laïcité elle-même n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était en 1905. En 1905, la laïcité était une machine de combat. Elle a mené une guerre qu'elle a gagnée et ses tenants d'alors ont véritablement humilié les églises. De nos jours, la laïcité est non violente, quitte à être humiliée à son tour, non plus par les cultes autochtones qu'elle a stérilisés, mais par des cultes étrangers et par l'islam en particulier. Et j'insiste sur le mot « étranger », car la laïcité, à force de fonctionner de manière totalement hors sol, c'est-à-dire de ne faire aucune différence entre ce sur quoi elle s'est construite et ce qui est gage d'exotisme, à force de mettre sur le même plan le spirituel d'ici ou d'ailleurs et le prosaïsme typiquement local, la laïcité, disais-je, se rabougrit en un artifice purement libéral, sans saveur, sans consistance, sans âme, sans ressources et finalement peut-être sans avenir. Et j'aimerais d'ailleurs faire ici un parallèle entre ce que je disais de la démocratie, voire la vidéo concernée, et ce que je dis à présent de la laïcité. Pour mémoire, je disais que depuis le 19e siècle, ce qu'on appelle pompeusement démocratie n'est en fait qu'un cadre politique vide, qu'un moyen de permettre la surenchère mutuelle entre production et confort de vie. La nature ayant le vide en horreur, une logique purement marchande s'est installée confortablement dans ce cadre politique vide. Et bien de la même manière, au XXe siècle cette fois, la laïcité a consisté toujours au nom du confort matériel ou matérialiste de l'individu ayant droit à proposer un cadre vide, spirituel cette fois, maintenue-t-elle par une sacralisation foireuse du mot. Laïcité ou démocratie sont en effet des mots à haute charge lyrique, mais qui ne renvoient à aucun contenu. Et finalement, au XIXe siècle, le grand vide politique induit par le gouvernement représentatif a été comblé par le marché au travers du capitalisme. Et on amorce à présent un XXIe siècle qui voit le grand vide spirituel induit par notre vision angélique de la laïcité
se remplir peu à peu par une spiritualité conquérante, l'islam. La laïcité n'est plus perçue que comme un concept libéral qui contente, à la manière d'une liberté négative, mais qui n'est pas en mesure de réunir à la manière d'une liberté positive. Je renvoie ici à ma vidéo consacrée à la notion de liberté. Cette situation d'un pays vidé de toute substance et ayant plébiscité l'exotisme sans condition est délétère, forcément, on le constate aujourd'hui, car elle a permis d'engendrer une génération schizophrène, c'est-à-dire plus que des êtres déracinés, des êtres qui n'ont jamais été enracinés. Des individus qui sont nés de parents souvent étrangers, dans un pays qu'on leur a très tôt appris à considérer à la légère, pour ne pas dire à mépriser ouvertement au bénéfice de l'exotisme. Et en même temps, ces individus sont attachés, non pas au pays d'origine de leurs parents qu'ils ne connaissent pas réellement, mais uniquement à l'image ou au fantasme qu'ils s'en font et qu'on les aide à entretenir. En somme, ils ne vivent pas réellement ici, mais là-bas, et par procuration. Et parmi ces jeunes, certains ont entrepris le fameux djihad. Et les témoignages qui nous parviennent de Syrie sont assez édifiants à ce sujet. Parmi les combattants de Daesh, les plus sauvages, c'est-à-dire ceux qui mettent le plus de cœur à l'ouvrage, ce sont ceux qu'on appelle les Français. C'est-à-dire, entendez, ceux qui viennent de France. La France hors sol d'aujourd'hui, fécondée, si je puis dire, par l'islam, peut donc s'enorgueillir d'avoir engendré des monstres. Des monstres qu'on devra détruire pour ne pas qu'ils nous détruisent. Et s'ils n'ont rien de musulman, si ces gens-là n'ont rien de musulman, comme on se plaît à nous le dire, il doit être permis de dire qu'ils n'ont rien de français non plus. Il faut se poser, en conséquence, les questions suivantes. Qu'est-ce qu'être français? Qu'est-ce qu'être musulman? Et surtout, quelle différence y a-t-il entre un musulman français et un français musulman? Voilà des questions intéressantes. Et quand on sait que de jeunes français vivant dans des zones rurales ou issus de milieux aisés, n'ayant jamais eu aucun lien avec la culture arabo-musulmane, finissent par se laisser pousser une barbe filasse, se font appeler Mohamed et partent en guerre là-bas, il y a véritablement de grandes questions à se poser. Des questions qui, bien entendu, ne sont pas posées en haute sphère. Quand l'assimilation n'est pas entreprise dans un sens, elle se fait logiquement dans l'autre sens. Et une société prosaïque comme la nôtre ne peut pas s'étonner que certains de ses membres se trouvent des causes et des idéaux de substitution. La misère contemporaine, contrairement à ce qu'une sociologie avance, la misère contemporaine la plus inquiétante n'est pas d'ordre matériel. La misère contemporaine la plus inquiétante est d'ordre intellectuel, voire spirituel, et elle n'est prise en compte par personne. Personne. Je lisais dernièrement un livre intitulé « Commun », un titre très explicite qui ne pouvait qu'attirer mon attention. Et le problème, c'est que c'est un livre, je dirais, à gauche toute, c'est-à-dire très terre à terre. J'ai été surpris de constater qu'au bout de 600 pages que comporte le livre, en définitive, le commun dont il est question se résume à deux choses. Premièrement, détruire le capitalisme, soit. Et deuxièmement, distribuer les ressources matérielles à parts égales, point barre. Rien, strictement rien, sur le commun au niveau intellectuel, et encore moins au niveau spirituel, comme si c'était accessoire, comme si la posture matérialiste n'était pas uniquement occidentale. Et c'est dans la même impasse que se trouve aujourd'hui la laïcité. Le fait de s'en tenir à l'estomac des individus en négligeant le besoin de communion des esprits. La métaphore du jour serait donc celle-ci. La laïcité pourrait être perçue comme une table autour de laquelle on inviterait le monde entier à venir manger, mais sans qu'il n'y ait quoi que ce soit sur la table. Voilà ce qu'est la laïcité. Et forcément, que font les convives? Eh bien, ils apportent leur manger. Parce qu'ils ont bien compris que la France était devenue une auberge espagnole. Résultat, la laïcité s'est perdue dans ses négligences, elle s'est dissoute dans son propre vide, et pour donner le change, il ne lui reste plus qu'à interdire les crèches dans les mairies. J'exagère à peine. Or, sur le problème de la crèche, que fait craindre la crèche? Est-ce que la crèche dans une mairie
fait craindre l'obscurantisme. Est-ce que certains se sentent dans l'incapacité de penser par eux-mêmes en présence d'une crèche? Si c'est le cas, il y a des médecins pour ça. À moins que ce ne soit le prosélytisme qui est en jeu. Peut-être que le prosélytisme dérange et c'est souvent effectivement ce qui est invoqué. Est-ce que certains, à la vue d'une crèche, vont se sentir en devoir de se convertir, voire de se mettre à croire en Dieu? Là, c'est avoir bien peu confiance tout de même en l'intelligence humaine. Bref, et en conclusion, puisqu'il nous faut conclure, la sécularisation était et demeure un beau projet. Mais en faisant de la laïcité la négation du besoin religieux au sein de toute communauté humaine, celle-ci se voue à disparaître, tout simplement. Une société qui souhaite se passer de religion doit tout mettre en œuvre pour faire de la connaissance la première de ses valeurs. Ce qui n'est pas à la portée d'une société matérialiste comme la nôtre, nous sommes loin du compte, une société abrutie par la marchandise et confortée par nos chers niveleurs. Il faut se faire une raison. Il y aura toujours plus de gens sensibles au message religieux qu'à la philosophie. Je vous remercie de votre écoute. La prochaine fois, je ferai une émission sur les conseils de lecture parce que ça fait plusieurs fois qu'on me le demande et je vous parlerai du programme à venir. Je vous souhaite pour finir bon courage en vue de cette journée obscurantiste de Noël puisqu'en effet, ce jour-là, tout le monde est convié à être chrétien et à ne pas se rendre au boulot. Alors, je peux vous la faire en... sur un ton journalistique, ça fera office de bêtisier de fin d'année, ça donnerait ceci. Noël, avant d'être un jour chômé, virgule, c'est l'anniversaire de Jésus. Et là, c'est le drame.